Mesdames et messieurs la famille, gros bonjour, bonsoir pour nous toutes, dépendamment de qui côté qui le, nous pral regarder, nous pral tendre vidéo ça. Non pas c'est Wendy Fell. Y aurait les mains petites. Bon Dieu, ça avec même plaisir, même l'amour comme d'habitude, moi là. Un micro unisson noir, moins poté yon l'autre vidéo d'information pour nous. Y a un gros goumé qui sur route éclaté là entre pays la Russie avec puissance occidentale. Yo, les m'a parlé de puissance occidentale. Nous, ouais, divers pays. En tête là, nous joignent les États-Unis. Après, nous joignent le Royaume-Uni, nous joignent la France, le Canada, etc., etc. L'aime dit nous ça. Tension, hein, l'est vraiment montée parce que jodi à la, de manière unilatérale, Vladimir Poutine, président russe là, prend décision qui a mis tes mondes là. Nan gros tête chargé. Restez connecté, n'a vin avec un détail pour yon petit moment. Dans pays d'Haïti, mesdames et messieurs, c'est avec un pile tristesse, nous apprenons le mot docteur Paul Famer. Qui est Paul Famer? Restez connecté, n'a vin avec un détail pour yon petit moment. Insécurité a continué à faire rage. Jodia, la police nationale d'Haïti font bec. Yon touye trois moun que yon dit qui t'a tenté kidnapper des écoliers. N'a vin avec un détail pour yon petit moment. Dossier politique, qui côté dialogue là yé, hein, ou bien tentative de dialogue qui t'a fait là yé, entre M. Damountanayo avec Premier ministre Ariel Henry. Gros question que moi-même m'a posé tête moins. Est-ce que politicien haïtien a fait tout ça que vous capable pour quitter Ariel Henry, rester sous pouvoir ça jusqu'au 7 février? Sans que élection pas faite et bal possibilité pour le rester même au-delà de 7 février 2023. Mesdames et messieurs, nous prenons toute nouvelle ça avec un pilote encore. Yon petit moment. Qui t'aime prendre quelques secondes seulement pour me capable remercier nous parce que nous apprécions le travail que Unison nous a fait. Merci en pelle. Merci parce que nous avons like vidéo ça, nous avons partagé sur WhatsApp, sur Facebook, un peu partout pour nous faire l'autre monde ouais vidéo ça. Nous même cap garder vidéo ça pour quoi abonner. Fait même genre avec tout l'autre monde. Nous aurions environ 9000 nouveaux abonnés pour nous capables de passer à 400000. Donc, on allez, abonnez-nous. Bam, love là. Chaque fois que nous faisons ça, nous disons Wendy Fell, continuez sous lancer Koya, continuez sous chemin Koya parce que c'est bon. Si nous ne pouvons pas nous abonner, mais qui j'en pour nous faire là, les bons côtés de nos chaînes d'unisson, nous apprenons espace rouge qui m'a qui s'abonner. Cliquez sur le une fois que nous finissons de cliquer. Donc, cloche qui apparaît, cliquez sur cloche là, tout retirez le sous personnaliser, mettez le sous tout. Ça a permettre que nous recevions notification chaque fois, les amis, que nous publions l'autre vidéo. Mesdames et messieurs, je dis à, avant d'entrer dans le détail, c'est fait, yon cher, yon très, bon, on amis qui très cher pour Unison. Non. C'est Zamino. Rachel a fêté anniversaire. Bye bye, nous capables son jeune monde reprendre et la bien fêté aujourd'hui. Et donc bah ouais, comment nous même dans Unison nous capable quitter Rachel a fêté comme ça. Hein? Non, nous tout cap garder là, n'a souhaité un très joyeux anniversaire avec Zamino. Rachel, qui l'a avec nous depuis le lancé Unison et qui toujours continue à supporter nous, toujours là. Rachel, non, Unison nous, Nabdou, yon très très joyeux anniversaire. Enjoy moment, bien fêté, un pile love pour vous et m'connais gagner 100 000 moun qui prennent le gars de vidéo ça. Tout 100 000 moun ça, souhaite yon très joyeux anniversaire et yon voye ça pour vous. Très bien. Donc, Rachel, ouais, n'a fêté ensemble avec vous.
profite occasion pour me saluer Zamim Mackenzie Exea qui attendait unisono na matin. J'ai comme dit dans commencement vidéo mesdames et messieurs, bon, ouais histoire le charimien désormais moi-même vraiment pas comprendre ni on pas parler de bail encore. Mesdames et messieurs, hier me dit 15 jours, mais ça fait environ 3 semaines depuis le charimien dans mes kidnappeurs. Jusqu'à maintenant, yo poko jam libérer le charimien et parole là, li pas fait bruit. Entre-temps, faut nous dire yo kidnappé, je vous l'ai dit dimanche 20 février 2022 ya, yon l'autre pasteur qui est le pasteur Richard Uyea, monsieur c'est le même qui a dirigé l'église de Dieu Sainte-Cité, yo kidnappé monsieur avec tout un petit lit. Et mesdames et messieurs, dans moment, y a kidnappé tout pasteur sa yo, nous pas jamais entendre rien de monsieur dame sa yo qui dit sur même qui dans tête secteur protestant dans pays d'Haïti qui tout le temps qu'on a manifesté. Ouais, si Jovenel Moïse était vivant, si Jovenel Moïse te... bon, de toute façon, je dis à là si Jovenel Moïse était vivant et pas l'état dans palais national, peut-être l'itaka gon chance. Mais si dans période Jovenel Moïse était kidnappé mon sa ta pour tout dans la rue, a dit c'est Jovenel Moïse qui kidnappé mon etc., etc. Ouais, elle a fait méchanceté, monsieur. À un moment donné, n'a pas l'aide parce que peuple, le temps a montré vrai visage. Donc, le kidnappant l'autre pasteur, c'est pasteur Richard Vieira. Nous espérons que l'abjoigne libération le plus rapidement possible. Parlant de kidnapping, jeudi, la police nationale d'Haïti semblait tuer, pas semblait, il y a 3 individus qui tombaient en bas de la police, se présentaient comme des présumés kidnappeurs. Pas semblait, ils ont tenté de kidnapper des écoliers, mesdames et messieurs, dans une Pétionville là. Et c'est tout près l'église Sacré-Cœur, toujours, c'est là, ils ont après tombé en bas. La police nationale d'Haïti qui était guettant suspect bah là, et puis sortant d'y a coup de balle tiré et puis yo mori mesdames et messieurs. Après rappeler zone toujours depuis quelques temps zone ça c'est kidnapping qu'a fait là, ou a posé cette question qui s'est passé l'autre bois là. Après rappeler encore une fois, moi me dis le souvent, retirez ça dans tête non, ouais kidnapping dans là pour une expansion extraordinaire. Li prend on extension extraordinaire, c'est pas un seul tizon qui a fait kidnapping. Quand pile gros nèg qui n'a fait kidnapping là, non moment que n'a parlé là. Donc fait très très attention mesdames et messieurs. Avant que nous tombions dans dossier la Russie, on parle de docteur Paul Farmer qui mort. Docteur Paul Farmer, monsieur, c'est un cofondateur Zami la santé. Qui moun nan pays d'Haïti pas connaît Zami la santé. Zami la santé dans le plateau central notamment. Et si m'ka vivant jodia, Zami la santé joue un rôle extrêmement important parce que l'homme te prend balle, l'homme te tiré sous moi. Le 17 mars 2012, mesdames et messieurs, si c'est pas de Zami la santé, si pas de l'hôpital Zami la santé, 15, m'tap mouri. Si m'te dans zone métropolitaine, puis dans zone Port-au-Prince, m'tap mouri parce que m'pas d'abjouer un soin que kam te mérité dans le moment. Y a l'hôpital avec moi à 3h 4h du matin. Yo joine des médecins malgré c'est un jour, c'était nous t'es dans week-end rapidement appel fait, yo dit Wendy prend balle et puis rapidement médecin courir vienne entrer avec moi dans salle d'opération pour te faire mon opération. Ça veut dire docteur Paul Farmer indirectement monsieur fait bien. Et monsieur, c'est un monde qui vraiment tes amis Haïti, qui t'a aidé Haïti. Et Zami la santé, non seulement li aide moun sur le plan sanitaire, etc., mais Zami la santé, notamment dans le plateau central, et li baye en pile moun travail. Et moun qui gagne maladie, bon, moun qui gagne VIH, yo toujours accompagné. Yo lem di non, ça, son bagage extraordinaire. Et je dis à Namir Balay, mesdames et messieurs, son bagage extraordinaire que Zami la santé lui-même l'a fait. Est-ce que nous t'en donc, Paul Farmer, lui mourit jodia, et puis il n'y a pas trop là, c'est qu'on est qui est dans 70 ans. Non, à peine si monsieur gagne 60, 62 ans. Ok, monsieur mourit malheureusement. Donc, Haïti, l'IPEDI, yon Zami, les amis. Nabdi, condoléances avec toute famille, docteur, qui est sans doute en souffrance parce que Paul Farmer n'est pas doué, gantan mourit, les amis. Et puis, avant de tomber dans le dossier, la Russie, les États-Unis, bah, et ça, yo, qui côté dialogue
qui t'a fait là hier dialogue entre Montana avec Ariel qui côté bagay ça lié dans moment côté que n'a parlé là. Entendez Ted Syndic qui c'est un major jaune dans dossier Montana qui t'a répondu une question télévision nationale d'Haïti. Monsieur parler monsieur dit on sait de causer peut-être cap intéresso parce que dans intervention là il explique on sait le bagage que ou pourquoi connaît. La fois dernière nous t'étendé Edmond entendez Ted Syndic qui a parlé qui ça a réglé là dans moment on a parlé là sous question et Montana les gens. Ted Syndic compliqué d'autant plus que économiquement moun yo pas capable il y a situation dégringolée insécurité à blayé moun yo capable de déplacer ce territoire. Donc face à la réalité ça, crise structurelle important côté conflit a toujours dans pays a entre l'état gens la gérer pays a et population pays a gens liés, gens population a résister à l'état, c'est crise ça fondamentalement là. Donc on pas capable aborder simplement. Donc pour moi tourner principalement à sacrivé et nous allons parler de ça et monsieur syndic si vous permettez nous rencontre qui te prévoit pour lundi, c'est suite à rencontre vendredi 11 février. Absolument. Vendredi 11 février, rencontre qui a été déroulée, en plus de cordialité, pas de problème, si vous comprenez. Non, nous ne dit pas de problème. Nous, c'est nous prenons l'initiative après deux rencontres que nous avons fait déjà avec M. Ariel Henry. Et sur deuxième rencontre, le 28 octobre, nous écrivons, nous disons que nous avons gagné des éléments concrets pour avancer dans la négociation supposée faire. Parce que l'accord Montana a défini que le moment privé, il faut que nous négocions avec le pouvoir en place, quel que soit le pouvoir en place. Donc, là, nous arrivons dans un moment, ça, d'autant plus que nous avons fait l'élection, j'en ai fait là, au second degré, pour nous désigner le président sorti Andan Montana, qui peut faire partie d'un collectif présidentiel, et nous, élus tout, premier ministre qui vous Andan accord là, selon consensus politique, nous jouons à peine. Donc, et alliés, et en même temps tout, avec M. Himmler et Bu, Gré, qui intégré consensus ça. Donc, nous allons, nous écrivons au Premier ministre, nous disons, allez, moment ça, puisque vous occupez le poste, ça, y aurait le Premier ministre, chef pays, si vous avez tout le pouvoir dans la main, donc, où c'est le pouvoir, nous écrivons lui-même avec les gens qui signent accord avec l'IA, qui pour faire coalition, qui sous pouvoir aujourd'hui, que nous avons le 11 septembre. Là. Donc, nous disons, il faut nous rencontrer avec elle pour nous commencer à parler et aboutir à une négociation. Donc, il est d'accord, il répond non. Nous écrivons le 2. Il répond non le 8 et le 9, il répond non le 11, il te dit que nous avons rencontré. Donc nous rencontrons. Là, nous arrivons, nous tenons 45 minutes avant que nous finissions. On parle du 11 février. Le 11 février. Mm-hmm. Nous campons, en principe, nous paraissons dans nos salles la vide, pas qu'une personne, nous mettons nous campons, nous tenons. 45 minutes après, nous venons, nous pas qu'un problème, mais nous, il fait 45 minutes que nous tenons. Nous entrons, nous chita. Nous pas soulever ça, nous discuter parce que nous pensons intérêt pays à supérieur à tout ce qui a passé là. Donc nous avançons sans que nous pas noter ça, mais nous noter que nous ne pas excuser pour autant là. Nous ne pas expliquer que pas de droit faire en qu'un citoyen haïtien tente l'organe rendez-vous avec au ballon le et c'est la caillou vini. C'est une règle de base que ça est. Lorsque vous avez bon la caillou, vous pouvez faire pour tant de monde. Donc ça arrive, malgré tout, nous chita, nous faire rencontre là et nous discuter. Et nous arrêter sur des bagages qui fondamentales. Pour nous, le premier bagage, c'est que l'équipe plantée là, y compris M. Ariel Henry et membres qui étaient avec lui de l'accord en septembre, ils sont d'accord sur le principe que nous allons négocier la situation politique aujourd'hui pour nous capables de faire un consensus large, pour nous capables de résoudre le problème que nous avons. Donc nous sommes bien contents que nous prenions ça, nous venons, et nous prenons une décision, nous rencontrer lundi. Claire, lundi nous paraît, à l'heure, certainement à l'heure, nous enregistrer à l'heure. Alors, pour 11 février, nous pas discuter sur des points qui liés à Montana en septembre, non, sur le gouvernement. Oui, non, certainement. Nous discuter. C'est peut-être ça que nous avons nécessaire pour parler de négociation. Nous avons une conversation politique okay. Sur ça, nous pensons que nous avons fait nous-mêmes. Et ça, nous pensons qu'il doit faire dans le pays, dans le moment que nous sommes là, côté haïtien, de prendre en main l'avenir, de prendre en main la décision politique, de nommer chef, de nommer mon qui pour représenter. Donc, c'est dans ça que nous avons parlé. Sur quoi nous entendons nous la petite rencontre vendredi? Nous entendons sur le principe que nous prenons négocier ça qui gagne, nous-mêmes nous proposer dans l'accord 30 août là, et consensus politique que nous joignons, qui ça que le définit, comment le définit pour chef dans le pays, comment le premier ministre l'a nommé, nous, ces propositions, pas non, c'est comme ça, c'est là nous arrivons.
C'est la résolution que nous jouons. Et nous-mêmes, nous campons sur un bagage qui est là, nous prenons faire élection rapide, pressé, nous prenons le montant constituant là pour là, et en même temps, nous prenons le mettre aux organes de contrôle qui ont un caractère consultatif. Ce qui en rupture complète par rapport à Jean-Noël nous-mêmes, ça c'est une, et Jean-Pierre Yahuel. Parce que l'expérience de pouvoir personnel qui a décidé de faire l'élection, de faire l'élection constituante, c'est le même projet que M. Jovenel Moïse a gagné et qui mène à une catastrophe que nous avons là. C'est l'héritage de M. Jovenel qui a conduit eux-mêmes. Donc nous disons que le pays a en rupture à ça et il fait 4 ans à gommer contre cette situation-là. Ce n'est pas, je dis, pas relancer le même dossier, le même processus qui n'a pas marché, qui n'a pas de résultat. Et fort de deux points de vue, ça y est. D'autant plus à un certain moment, nous disons si vous êtes à l'aise à ça faire, il n'y a pas besoin de parler avec nous. Il pense que ça va faire correct, payer s'il y a besoin. Il met aller, il met continuer à faire. Parce que Montana n'a jamais, jusqu'à aujourd'hui, une force de blocage à sa mounia faire. Nous simplement construit un bail un consensus large qui pour prendre en main la responsabilité du pays. Donc c'est la construction sanière. Donc nous ne pouvons pas faire manifestation, nous ne pouvons pas faire grève, nous ne pouvons pas lancer mot d'ordre pour bloquer gaz, nous ne pouvons pas lancer que ça. Nous travaillons du point de vue politique sur la nécessité que le pays reprenne souveraineté et une autonomie politique pour décider de son avenir. C'est bataille pas, c'est sans pas. Donc, c'est sous notre salle, notre équité. Donc, nous avons deux salles. Donc, nous d'accord, la question de la négociation pour le reprendre et en même temps, tout, comment nous allons définir l'agenda de la négociation, contenu de négociation, conditions pour négociation. Donc, c'est de ça que nous parlons, nous arrêtons sur ça. Donc, nous prenons rendez-vous lundi pour nous faire ça. Lundi, rendez-vous, c'était pour qui? Lundi, 4 heures. Nous-mêmes, nous trois arrivés dans la même machine. On parle de vous-même. Moi-même, Magali, avec Nene et Ernst Mathurin, nous trois, nous arrivés dans la même machine. Magali, comme Denis. Oui, nous arrivés dans la même machine, nous descendons. Et il y a simplement M. Voltaire, qui est en blocus, en tête boudon, hein, parce qu'il est extrêmement difficile, et qui a privé. Nous arrivés, nous entrons à 4 heures, nous à 4 heures moins 7 minutes, nous entrons dedans, nous tendons, nous campons, même gens, nous attendons. Monsieur Richard, Alex Richard, paraît à 4h05 à peu près, lui expliquer est-ce que nous complet. Nous dit oui, nous paraît pour nous commencer rencontre parce que nous au complet, moun k'ap vini, mais nous paraît pour nous commencer. 10 minutes après ou bien 15 minutes après, gen un porte qui entrebâillé et le ça madame Bouzil pour citer non li, paraît la porte là, li gardé, li di on bagay à madame Denis, moi même dans téléphone, même dans les salles dit. Et puis nous retenons à 85, nous disons c'est fini cette fois-ci. Si mon Dieu, c'est comme ça que vous pensez qu'il y a comporté les Haïtiens, vous pensez qu'il y a comporté, parce que vous avez pour nous dire dans le pays, c'est important pour mieux comprendre. Chef en Haïti, depuis la position chef, vous pensez que personne ne va rien. Tout le monde doit rester devant vous tant que chef décide. C'est comme ça, son mentalité que le monde qui vient sous pouvoir dans le pays, d'autant plus les reconnaît au gain blanc, ils ont mis eux, ou bien ça blanc qui a travaillé, c'est blanc qui a décidé avec eux, ils pensent que les Haïtiens n'ont pas de monde. Et traduit ça, c'est un bagage que nous-mêmes nous inscrivons, contrairement à tout le monde qui a accepté ça, nous inscrivons en faux, qu'on ne pas accepter ça. Alors à 85, nous décidons, nous allons, nous jouons un service. Nous pas 10 personnes rien à non, non, absolument. Service qui, protocole qu'il a, tu as un monsieur avec deux dames qui en font un. Tu as une autre dame qui est devant, beaucoup de portes pour sortir. Et puis tu as une autre dame encore qui est là, qui a fait check et sécurité de l'entrée. Nous disons, avertis-nous pour nous qu'on aller. Parce qu'après 25 minutes, ça qui est arrivé vendredi, pas pour faire là encore. Donc nous allons. Et nous allons. Aussi simple que ça, sans discussion, sans rien, mais nous avertis qu'on a déplacé. Nous avertis qui est-ce? Nous avertis, chef, pour le protocole, c'est seulement que tu es là. Pas de l'autre monde encore. Dans la salle de c'est ça, là, nous sommes là pour nous. Est-ce que vous avez dérangé nous? Est-ce que vous avez dérangé nous si peut-être nous avons averti les gens qui nous invité nous? Il est difficile parce que le fond d'affaires est là. Donc c'est un problème. Parce que c'est minimum, c'est la caillou mien. C'est comme si nous avions la caillou, le fini, c'est où on recevait moi. Et puis pendant que je suis devant, sous galerie ou bien dans le salon, quand je suis là, et puis on va faire l'activité par où. Et puis quand il y a là, même où je suis là, on ne dit rien. Et le problème, non, c'est même pas oui, les gens qui sollicitent un travail. Les gens qui ont rendez-vous pour parler de vous, avec vous, de capacité pour faire travail là. Mais il faut le faire premier acte ça. Acte fort, comprendre que vous petit passé. Il faut comprendre que vous faible passé. Son façon pour humilier vous. C'est une tradition que le chef de pays a gagné. Et l'État, c'est comme ça, pour reproduire de cette domination, de cette soumission des citoyens par rapport à une autorité fictive qui n'a pas existé, mais c'est dans les rapports que l'a fait avec vous, que l'a construit cette autorité. Il faut rompre ça. Parce qu'en Haïti, tout le monde, c'est le monde, et tout le monde a la même valeur. Nous décidons de quitter la résidence. Donc nous décidons, 25 minutes après, et puis nous allons.
Ouais. Mais après ça, pas grand-rien dit jusqu'à présent. Est-ce que pendant nous aller, pas un appel nous recevoir? Absolument, rien du tout, rien. Et nous avons une bonne parole qui a parlé là, oui, mais ce n'est pas nécessaire. Nous parlons de situation pour comme si répondre à des bagailles. Est-ce que pendant une organisation officielle là, pas nous avons recevoir des appels ou des messages qui demandent de nous quitter l'espace là? Non, mais quel rapport? Non. Nous, alors, il faut comprendre ça que les commentaires là, oui. Nous avons un processus autonome. Et tout ça n'a fait nous discuter avec groupe qui nécessaire qui en base j'en définis encore là qui vous discuter ça nous va faire et qui j'en parler qui ça nous va régler parce que nous pas mettre tête nous dans le sens que pays agent lié même son nous font rêve et puis m'pral vendre rêve là son construction son consensus qui baille donc chaque pas faire un moment arrivé faut discuter avec nous faut d'accord des marches là pour aller donc nous parlons un moment comme si l'en rivé gagne mon caprilène depuis rivé dans réunion générale un téléphone. Non, pour ne pas déranger. Réunion votre commencer. Non, pour ne pas déranger ce passe-là. Nous ne pouvons pas travailler comme ça. Alors, c'est bureau suivi qui a le rencontre là. Oui, bureau suivi. Est-ce que là, nous te gavale tout le monde qui est dans la structure Montana, si tu traites tout là pour mener une négociation? Qui en ça fonctionne? Bureau suivi de l'accord, lire les bureaux de suivi de l'accord. Ça veut dire que nous-mêmes, nous avons une mission pour mettre l'accord en place. Et en dans l'accord, là, il prévoit que l'un peut arriver au moment des négociations politiques. Nous avons une instance qui a monté en dedans encore là, qui a un comité représentatif des acteurs de l'accord de Montana, des signataires de Montana, qui lui-même, c'est lui-même qui parle aider nous faire les négociations. Il y a un secteur politique là-dedans, il y a une société civile, il y a une organisation populaire là-dedans, qui trois éléments de base en dedans encore là. Mais eux-mêmes, le comité de suivi, nous rencontrons avant, régulièrement. Et là, nous finissons la rencontre, il faut nous tourner pour nous expliquer, mais côté une rivée. Et qui prochaine étape, comment on va franchir. Donc, on va venir permanent dans ça. Donc, pas aucune inquiétude, pas aucun problème à l'intérieur de Montana qui t'a posé que nous vivons côté après, nous, ça veut dire faire X, faire Y. Parce que encore plus grave. Comment on a fait un don milieu, un don lieu, et puis, monde dehors, comme ça, passe en dedans, peut-être dire, mais qui ça vaut le pain. Écoute, il y a une blague. Donc, en principe. Pas une division au niveau Montana sous. En principe, vous nous rencontrer à quoi en septembre, le Premier ministre Ariel Henry. Non, nous avons une dynamique politique. Et essentiellement, ce qu'on a fait, c'est sous base consensus qu'on a fait. Et en dans Montana, nous sommes d'accord sur le principe, il faut négocier. Quand il y a un problème qui est arrivé, il a décidé que tel acteur, pour X présence, ou bien tel pagaille qui a dissous, ou bien telle attitude qui a un caractère moral, il est capable de juger que est-ce que vraiment il faut mettre Montana en face de Mounsa. Nous pas poser problème dans nous-mêmes. Nous disons que, puisque c'est le pouvoir en place qu'on doit rencontrer, nous avons rencontré et nous discuté avec lui sur la question comment la transition va se faire. C'est qui j'en transition que vous le faites là, oui? C'est pas, nous parlons sans que nous-mêmes, nous pas inscrits nous, côté qu'on tweet en quelle ambassade, en quel corps groupe, en quelle organisation internationale qui a décidé de nommer mon chef en pays. Ça, nous pas d'accord et nous contestons fondamentalement. Maintenant, nous demandons une légitimité dans le pays qui est désigné monde qui est responsable du pays. Parfait. Là, maintenant, il y a des gens qui disent, bon, j'en vais à la grave là, est-ce que Montana, Patadoué, et poté une élégance à que si vous avez gagné dans un compte plutôt au lieu de aller au Tali. Ouais, d'accord, entrer dans un compte là, et puis faire part de une élégance à que nous estimons écrivé là. Et puis, pour négocier au nom des intérêts supérieurs de la nation. Sous-prend deux barrières comme du roi pour appeler ça que fait vendredi. L'attitude 45 minutes là. Mais vendredi, vous ne dites rien ou non? Mais enfin, c'est normal. C'est minimum. Pas besoin d'un conflit avec le monde pour qu'on ait que. Ou font bagaille qui est malsain. Vous devez attirer attention au monde dans ce lit. Tout le monde font bagaille qui n'est pas bon. J'ai affaire des adultes. C'est des responsables politiques. Vous dites que c'est eux qui ont dirigé le pays. Ou pas, je ne suis pas dans une situation où je parle des dirigeants de pays côté ma vivre là et m'a rappelé que il y a tel manquement. Ça veut dire que si je me rappelle ça, il y a même une place pour là. On rappelle ça déranger, non? Non, comprends bien. Parce que nous n'avons pas de non, comprends bien ce que je dis. Allez-y. Je affaire à des gens qui sont responsables et qui disent que c'est eux qui dirigent le pays, qui ont les normes, qui ont défini les règles pour nous suivre. Mais pour grand que soient les rois, ils sont ceux que nous sommes. Et ceux que nous sommes. Ils mais, peuvent se tromper comme tous les autres hommes, disait oui, La Fontaine. Mais les rois que tu as parlé, ils étaient dans un mouvement social qui te permet que tu aies gagné ou comme moi, tu as accepté ou c'est le bien fait. Mais nous pas dans cette situation. Ça. Parce que faut ne pas oublier, pas gagné là qui existait en tes pays, qui n'a aucune légitimité, aucune légalité, aucune constitutionnalité.
dans une situation que tes pouvoirs là aujourd'hui sont tes pouvoirs qui imposés de l'extérieur. Mais pas qu'on fait sacrifice ça, rentrer dans la compte là quand même et puis faire part de ça. Non, non. Fait plus gros sacrifice que ça. Nous fait plus gros sacrifice. Parce que là... ça. Sacrifice que nous, par exemple, l'en accepter le principe d'aller rencontrer Monsieur Ariel Henry dans un premier temps, quasiment sans condition, pendant que tout le monde a expliqué que il y a un rapport à l'assassinat de M. Jovenel Moïse. Il a dit ça. Son allégation liée. Nous pas dit son accusation liée. Nous pas dit que M. la donne. Mais du point de vue moral, du point de vue éthique, il n'y a pas qu'un bagage qu'il dit sur ça, non? Seul ça le dit, la longue radio, pour l'expliquer, que Mounsa qui a dit que l'indexé qui est responsable de l'assassinat, c'est un monde qui n'a pas une capacité pour le faire ça. Tout le monde connaît que son bon mounier n'a pas qu'à faire ça. Mais avant, vendredi dernier, après un compte qui était fait avec Akon Montana, le premier ministre a souligné qu'il n'a pas gagné pour louer un assassinat du président Jovenel Moïse. Oui. Mais c'est pas. Il paraît pour le créer conditions pour que. Non, c'est peut-être ça que l'aide. C'est peut-être ça que l'aide qu'on fait après un compte qui passait le 11 février, nous faisons l'aide pour nous dire que nous paraît pour nous continuer à discuter. On va arriver dans la condition. Mais à condition, ça veut dire que parole là, c'est pour une parole, on y dit ça. Et puis en même temps, tout dit. Que ou gain un téléphone et puis même moment pour fin dire là ou dit ou gain deux pendant fin yo dit ou gain deux a ou pas cap dire un seul moun yo dit deuxième non te gain pile conversation avec moun que y a accusé a ou l'on situation côté moun yo gon panique par rapport à leur responsabilité par rapport à la gestion de cette crise que gain et la question morale et éthique qui présente dans pays a si que moun cap suivre matin et monsieur syndic qui t'a dit ah j'en bas la grave là moun yo a kidnappé moun. Ouais, on ne va pas manger. Situation sociale pays a vraiment difficile. Son bail sans précédent. Et mon cap dit ou quoi ba la cap grave que ça la vive aujourd'hui. Il t'a dit dans l'introduction, vivre en Haïti aujourd'hui a mandan pile courage et monsieur Sédic. Mm-hmm. Je dis ben pour me dire pour que son là, chaque qu'on a dit pas moi même, à quoi on s'est dit on était là, Montana dit me faire 25 minutes. Comme si pour ça nous pas ta dépasser et puis non, faire un compte là. Son on dit ça, soit t'a répondre. Non, d'accord. Mais c'est parce que nous sommes conscients de gravité. Nous est sous pouvoir depuis 7 mois. C'est au fait. Parce que ça, il n'y a pas Montana pour le résoudre. Non? Problème de sécurité, on parle. Problème de la vie chère. Problème de prendre prix gaz. Problème d'ouvrir à chercher salaire minimum. Ce n'est pas Montana pour le régler. C'est lui pour le régler. Nous-mêmes, nous tellement conscients. Parce que nous sommes conscients que nous sommes incapables, jusqu'à aujourd'hui. Ou du moins, ce n'est pas la volonté de faire. Ou du moins, inscrit dans la même trajectoire l'État, j'en ai toujours hier. Nous disons, mettez modèle ça. Ça n'a rien comme modèle là, pas marché. Un ouvert pays à un consensus national, côté les forces vives de pays à, prend pays en main. C'est ça seulement. Justement, mais pourquoi ça ne va pas porter discours ça dans la rencontre oui, le diable, de faire rencontre la fête quand même. Alors, la rencontre la fête, ça t'a porté en plus par rapport à ça que nous disons là. Nous simplement dit. Nous, parce que c'est, nous n'avons pas parlé de rupture, de respect moun. Mais beaucoup fait. Non, nous parlons de rupture, nous n'avons pas parlé de respect moun. Nous pas qu'à banaliser ça. Nous n'avons pas qu'à banaliser parce que rapport moun à moun. Moun fait pour respecter, d'autant plus l'ordi c'est chef ouye. Premier bagage pour faire, faut mettre en place moun qui devant là, que la tête porc qui puis faible que oua. C'est ça, oui, démarche là. Et sous pas marquer ça, rupture ça. Parce qu'en même temps, tout, ou après que dans samedi après, nous disons pas chita là encore. Nous allons côté qui permettent que moun yo son plan d'égalité. Parce que son position supérieure par rapport au même que a essayé de dégager, les a fait ça. C'est attaquer le processus même de négociation. Sur le sens de domino dès le départ. Il n'est pas banal. C'est pour une question de 25 minutes, problème. C'est un bagage qui est profond, qui est ancré dans la société, qui est dans la société, l'État particulièrement, pas dans le peuple haïtien. Ou dans la province régulièrement, si mon frère c'est mon province, où est-ce qu'on s'est reçu à mon lacayou? Il n'est pas reçu à mon conseil lacayou. Haïtien n'est pas reçu à mon conseil lacayou. Les gens n'ont pas reçu, là, le temps devant barrière. C'est le travail. C'est la règle. Donc, ce n'est pas posé comme ça. Donc, il ne faut pas prendre sur une banalité de 25 minutes. Non. C'est une rupture à une façon de se comporter avec les gens. C'est un premier moment. Non, est-ce que la réalité n'est pas plus grave qui t'a permis de nous faire sacrifice ça? Mais n'a pas abordé la réalité. N'a pas abordé. Mais il faut les conditions pour aborder là. Il définit dans le respect. C'est ça lié. Parce que la population, lui-même, il n'est pas qu'attendre encore. Oui, mais il n'est pas qu'attendre. Mais pendant 7 mois, parce qu'ils ont passé là, mon Dieu prend pouvoir. Ça, vous réglez pour pas qu'attendre. Population résiste pour le Québec lui-même, parce que faut le Québec dignité quand même. Et nous parlons de dignité, nous parlons de l'affaire que nous ne pouvons pas accepter que va continuer comme ça. C'est la dignité. Et peuple haïtien digne de ça.
Et même j'entends fort responsable paysan lever dignité à dimension peuple haïtien que affirmer parce que nous avons un bon commentaire dans la rue à tout. Je suis que si blanc t'invite yo ou bien c'est blanc t'a parlé avant le. Nous avons ça dans la rue. Oui ça parler. On pas préoccupation ça moi-même. Préoccupation pam le m'a chita un citoyen haïtien même j'en avec moi. Je suppose que mon condition, mon invitation faite, je vais recevoir sur même pierre. Je n'ai pas besoin que ce soit monde qui blanc qui vous fait ça. Je n'ai pas besoin que c'est international là qui vous contraigne de faire ça. Ce petit respect est inadmissible et intranché. Donc, ceci dit, l'idée est, nous finissons avec ça. Maintenant, nous disons pas avancer dans la négociation. Comment on va avancer? Non, nous ne pouvons pas arriver plus loin. Mais qui ne va pas avancer? Nous ne pouvons pas arriver plus loin sur ça. Alors, pour nous-mêmes, et, nous ne pouvons pas faire plus gros sacrifice que ça. Et après 25 minutes, là, vous ne pouvez pas. Non, et pas arrêter sur 25 minutes. Là. Et je suis que la population comprenne ce que ça veut dire. Parce que qu'on a le cas de moun. Il qu'on recevra moun la caille. Il qu'on dit un rapport moun à moun fait dans le pays. Parce que c'est même bagaille là, oui. Lorsque la police prend la rue, lorsque les moun prend la rue à faire revendication pour salaire, la police prend la rue, seul balayé pour le faire, c'est battre pour le battre. C'est même rapport toujours, oui. C'est même rapport. N'est-ce qu'un citoyen campé, la police le râle, la machin qui sont soufflettes pour le balayer. C'est même rapport toujours, oui. C'est un rapport de ne pas respecter haïtien pareil. Depuis un chef, depuis un investisseur de chef. Ou pensez tout le monde pas en rien. C'est ça, oui, n'a pas cassé. C'est message ça que nous avons voulu à pour dire que nous devons accepter ça. Nous devons soumettre à une fausse autorité, à une fausse autorité qui a pris pause que le chef et puis il a imposé des règles. Parfait. C'est même gens décider que le pral fait élection. Mais quand elle prend capacité ça, quand elle prend autorité pour le décider qu'il a fait ça lui-même, qu'est-ce qui va lui. C'est peu pas simple pour Baoul. Pendant dit ça et mais comment avec mon capé suivre ta dit monsieur syndic ça la vivre là on va être sans précédent. Et pas comme une monde hommes songer que Haïti était tombé dans niveau ça déjà. Ouais. Alors, c'est ça la réalité. Ouais. Sous base ça, que mon dit ah, est-ce que monsieur Damio, on cap faire politique, on dans société civile. On dit soit dans pouvoir bien qui veut prendre pouvoir. Est-ce que pas ta ca planer plus haut que tout bail ça yo pour finalement yo fait on bagaille pour nous joindre le consensus là, pour nous sortir là-dedans. Ouais. C'est ça que nous avons dit. Non, non, mais nous n'avons pas dit ça. L'indignité, haïtien pas vivre à ça. C'est comme si nous avons dit. Mais dans sa nuit là, oui, parce que, c'est parce que le chef a traîné là. Mais ça non, doit s'arrêter. Oui, mais ça doit s'arrêter. Il faut nous camper. Et pas parce que ça, nous dans une situation ça, et puis on accepte n'importe qui bagaille. Depuis qu'on accepte n'importe qui bagaille, nous ne pouvons pas sortir là-dedans. C'est ça le problème. Oui. C'est même gens qui ont la caille, ou une petite fille, ou on est rentré le violer. Les filles après, monsieur Scuso libre aller. Et vous dites, ah, bon, monsieur, fin violer, ça me fait. Et puis, monsieur, vient battre son calier de ce côté-là, caillou. Chaque matin, je dis bonjour. Et puis, comme il fait le faire déjà, pas de problème. J'ai mal à difficile pour moi. Ça, fort. Oui, j'ai un difficile pour moi. Il faut que je résigne, il faut m'accommoder, ma ça. Et puis, monsieur, il faut bon matin, monsieur, décide de bon petit corps, bon gars, vivre. Mais c'est lui qui viole les petites filles, non? Moi, obligé de dire, mais comme un gangou, a fait un pas bon, ça me fait. Il faut me résigner, un petit corps là. Non! Nous pas gain droit mener pays ni peuple pays accepter des grimaces comme ça. Il est temps de rompre avec cette situation là et c'est moment que lié indignation ça peuple là comprendre. Parfait. Et même je... penser que c'est là l'aller. Contrairement à ce qu'a pensé à ça mon a dit haïtien parfaitement comprendre que leur dignité pas capable tout le temps mettre pied sous lit fouler au pied lit inadmissible ben ça doit s'arrêter ça commence à s'arrêter. En question directe monsieur syndic est-ce que quoi est-ce que estimez acteur la politique la société civile est-ce que estimez que comprennent suffisamment que l'heure est grave et y a vivre dans situation hein? Nous même n'a vivre dans situation hein? Parce que là on parle peuple là mon dieu on discute sur le peuple. Comme si peuple a fait pas bon, peuple pas qu'à manger, peuple pas qu'à circuler, mais comme si yo même le cas circuler. Moi même dans la même situation. Hein. C'est la même situation. Même la... niveau ça déjà. Ouais. Alors, c'est ça la réalité. Ouais. Sous base ça, que mon dit ah, est-ce que monsieur Damio, on cap faire politique, on dans société civile. On dit soit dans pouvoir bien qui veut prendre pouvoir. Ça doit s'arrêter. Faut camper. Et pas parce que ça, nous dans situation ça et puis on accepte n'importe qui bagaille. Depuis qu'on accepte n'importe qui bagaille, nous pas sortir la donne. C'est ça le problème dans yoy. C'est même gens qui ont la caille, ou une petite fille, on est rentré le violer. Le fini après, monsieur Scuso libre aller. Et vous dites, ah, bon, monsieur fin violer, ça me fait. Et puis, monsieur vient battre son calier de ce côté la caille. Chaque matin, je dis bonjour. Et puis, comme il fait le faire déjà, pas de problème. J'ai mal à difficile pour moi. Oui, j'ai un difficile pour moi. Il faut que je résigne, il faut m'accommoder, ma ça. Et puis, monsieur, il faut bon matin, monsieur décide de bon petit corps, bon gars, vivre. Mais c'est lui qui viole les petites filles, non?
Mon obligé dit mais comme un grand goût a fait pas bon ça pour me faire faut me dire un petit cobla. Non, nous pas gain droit mener pays ni peuple pays à accepter des grimaces comme ça. Il est temps de rompre avec cette situation là et ces moments reliés. Indignation ça peuple là comprendre ni. Parfait. Et même je... penser que c'est lalalé. Contrairement à ce qu'a pensé à ça mon y a dit haïtiens parfaitement comprennent que leur dignité pas capable tout le temps mettre les pieds sous lui, fouler au pied, lui inadmissible. Eh bien, ça doit s'arrêter, ça commence à s'arrêter. En question directe, monsieur syndic, est-ce que quoi, est-ce que estimez acteurs, la politique, la société civile, est-ce que estimez que comprennent suffisamment que l'heure est grave? Et y a vivre dans situation. Hein? Nous-mêmes, y a vivre dans situation. Hein? Parce que là, on parle du peuple là, on a toujours un discours sur le peuple. Comme si peuple a fait pas bon, peuple pas qu'à manger, peuple pas qu'à circuler, mais comme si y a même le cas circuler. Moi-même, dans la même situation. Hein? C'est la même situation. On est dans la même situation. Hein? Donc, on va vivre en chien autour. On va à la caille, par exemple. On va aller au Ghana, par exemple. On va aller dans le sud, par exemple. Alors, on va comme si je suis content et que je suis à l'aise. Et puis, on va dire peuple qui va aller au Ghana, là, on va parler de lui. Non. Mais acteur, même j'allais, même j'ai même souffrance avec elle. Sauf que lui, il va pas négocier. Oui. Sauf non, que mais justement. Il va négocier, pas les cap décider. Mais normalement, lui met en situation que vous ramassez une parole comme ça, que vous même ou pas satisfait avec lui, vous ramassez et vous pensez que le coup la revendication pas lui et vous apportez. Mais lui même, il a un support à ça. Et pas comprendre que le faible laisse arriver. Il comprend que vous cherchez d'abord rétablir dignité. Et c'est une démarche rétablie dignité à nier d'abord pour nier la conquête par rapport à l'étranger, la question de la souveraineté. Si dignité peuple ou pas levé, qui on va faire bataille à l'étranger? Les autres ou pas rien, ils ne pas qu'à nous, ils disent que c'est un bon chef, et puis ils prennent tout ça et ils composent avec elle parce que ils mènent le grand goût. Ils mènent l'insécurité. L'insécurité, parce que le ciel tombe, soit il tombe. Son création politique que liée. Son montage politique que 10 ans de pouvoir sont passés là-bas, nous, c'est qu'ils ont construit des autres dans le pays. Et puis, face à des autres, et puis, on peut dire que faut composer avec elle, faut battre tout ce gagné, toute dignité pour continuer à marcher avant parce que vous avez besoin qu'elle soit. Non, ce n'est pas ça le problème. Pourquoi ça, chaque fois, deux groupes haïtiens ont rencontré, ils ne sont pas qu'à difficulté? Moi, je ne sais pas, deux groupes haïtiens, non. Les groupes haïtiens ont rencontré tout le temps. C'est le monde qui dit que ce représentant blanc et que blanc a joué avec eux tout le temps contre peuple haïtien. C'est ça le problème. Non? Et parce que blanc toujours en mi-temps a joué contre haïtien. Depuis 1804, ça comme ça. C'est 60 ans que nous prenons pour reconnaître l'indépendance de ce pays. Et depuis lors, ça, blanc américain particulièrement, l'a dirigé le pays à travers tout le monde. L'el bouquet, l'el pas capable, n'y a pas répondre à la demande de Jean Vlela. L'occupé pays à 1915. Parce que le Vlela lui-même, pour le redéfinir règle, redéfinir vie sociale là, redéfinir relation mon amour dans le pays d'après lui-même, j'en comprends ni. L'el a quitté pays à. C'est ça le continue à faire à travers tout ce qui a passé. L'enfer en 1990, sous fond élection, quand les populations décidaient que la choisit tel monde. Mais immédiatement, il fait une décision ça. Pouvoir l'État, il pas balé dans lui-même. C'est yo qui a pouvoir l'État dans lui-même. Et c'est eux qui ont leur volé à mon volé. On ne va pas infantiliser tout, mon tout, parce qu'il y a une volonté. On ne va pas se forcer. C'est pas infantiliser, infantiliser. Il y a des intérêts personnels. Non, c'est pas infantile, c'est pas petit monde. C'est grand monde. Justement. C'est un grand monde qui a une ambition personnelle. Il n'y a pas réfléchi que le pays a une ambition large, qui est supérieure à Payoa. Chaque monde qui a un intérêt personnel. Parce que d'accord. Mais il y a d'accord parce qu'il y a des intérêts personnels. Parce que vous parlez riche demain matin. Vous parlez riche, c'est pas travail. Il n'y a pas riche en captant ce que le peuple a produit comme ressource. C'est lui qui apprend. C'est dans son yé. Donc, il profite de ça. Mais, alors, il faut que nous allions dans la précision sur ça. Et parce que Jean-Barré à la Poulea, il t'a semblé que pas aucun moyen pour sortir la donne. Pas aucun moyen sans que ce n'est pas blanc qui résout les pauvres. Mais c'est une bagarre entendre nous finalement. Mais ça que c'est une bagarre entendre nous. Mais c'est ça la vivre là, monsieur Saint-Di. Non, c'est pas nous pas entendre nous. Ça qui passe. Quand équipe monde qui refuser la guerre avantage gain en meilleur. Yo pas veulent bailler pays aller. C'est ça seulement lié oui. Ou on a fait à une mafia nationale internationale qui bloque pays et qui appuyé par les puissances étrangères. C'est l'ensoyer. Ah bon? Il va pas gagner veulent la guerre. Tout ça que meilleur, c'est pour qu'il tout temps. Et faut peuple là toujours dans sa lia. Seule chance de peuple là. Il va même balayer le tirer dans la main. C'est chercher un bateau.
Cherchons canter, cherchons avion, chapé. Et les échappés, ils arrivaient juste en bas de Pont-Texas, ils ramassaient eux, et l'État ça haïtien d'accord pour les préfets, c'est retourner pour retourner là. Vinou est passé misère. C'est ça lié. Son construction comme ça, son construction de Haïti, c'est soit le cabaye, c'est ouvrier. Est-ce que vous pouvez comprendre, dans ce Abdi là, que pas une volonté pour joindre une formule pour nous sortir dans sa lumière? Mais nous dit de la part de dirigeants pays, depuis combien de temps? Il n'y a pas un projet de sortir pays dans sa lumière. Il n'y a pas un projet. Élection faite dans le pays, les blancs organisent l'élection. Ils choisissent mon niveau. Pour que ça soit là. Nous sommes cinquième, nous mettons quatrième. Nous sommes quatrième, nous mettons troisième. Nous mettons troisième dans le premier. Après, le dit premier, c'est au gain. Mais c'est dans sa lumière. Mais voilà, pour que ça soit là. Le fait que nous sommes dans le niveau, comme nous sommes dans ça, nous ne sommes pas dans le sous-table. À le porter par ça, mettez les dirigeants au pied du mur. Mais c'est ça, on a fait là. C'est ça, on a fait. Mais non, mais c'est ça, on a fait. Quand il y a libre de pas retourner sur la table, il y a grand monde. Il était toujours qu'à continuer. Alors pour le moment, on ne pas comprendre que c'est parce que nous allons faire pas qu'à continuer, non? Ou bien ça fait pas continuer, non? Il y a une logique, l'État, Jean construit, c'est qu'on s'appelle diriger pays. Dans nos réactions de mon accord en septembre, une ancienne intérieure qui parlait de bonne foi avec Montana et comme quoi et nous pas, nous pas dans le niveau de bonne foi, nous n'avons pas de pays. Et pas dans le niveau de bonne foi, nous parlons de problème de parole individuelle. Comme si mon état de bonne foi. C'est même ma question de charité, oui, parole ça, oui. Il n'y a pas dans ça, non? Dans la réalité, dans la vivre là. Dans la réalité concrète, que nous avons discuté du pouvoir politique. Nous parlons de bonne foi, parce que le pouvoir politique, justement, de sa composante aujourd'hui. Mais on paye sous des gars qui a crié à la gaba. Oui, mais oui. Mais c'est parce que le pouvoir politique là, comme ça, qu'on le construit comme ça, qui fait payer sur la gaba. Et sous pas casser, relation ça gagne entre le pouvoir et le peuple haïtien. Ou pas résoudre le problème là. Et il y en a de même pour la sécurité. Sous pas casser lien politique qui gagne aujourd'hui avec le pouvoir d'État et les gangs ou pas résoudre pour l'insécurité. On n'est pas un problème bonne foi avec le président Montana. Mais qui en fait bonne foi? C'est nous qui écrivons des rencontres. De quoi on parle? C'est nous qui prenons l'initiative là. Nous t'ai écrit, M. Ariel, déjà, 28 octobre, il n'y a pas de réponse. Non? C'est nous qui écrit nos deuxième fois encore le 2 février, nous demandons ça. Mais de qui bonne foi à parler? Bonne foi par rapport à quoi? Est-ce que nous avons dit, premier content de avec une volonté? Pour nous avancer, pour nous aller plus loin. Je ne peux pas dire ça. Je vais quitter répondre même. Sauf que je vais rappeler simplement que l'on pose la question que la négociation est nécessaire et majoritairement d'accord. Et l'on pose la question à M. Ariel Henry qui a engagé sous principe de négociation hein, son sourire que le bail. Il n'a pas jamais ouvert bouche pour l'affirmer ça. Et depuis lors, nous avons le sentiment que des marches d'affaires. Il rencontrer un mur de ce côté-là. Et nous comprenons que c'est normal. Représentation liée, les gens qui ont le mandat ça lié, il faut qu'ils consultent pour le côté qui avance. Maintenant, il y a des gens qui allent plus loin tout, qui dit, M. Syndic, ça me son bataille pour que mes pouvoirs, mes pouvoirs. C'est ça qu'a réglé là. Qu'est-ce que tu réponds? Mais pas oublier que nous-mêmes, même personnellement, je ne suis pas en poste-pouvoir, je ne suis pas occupé, je ne suis pas candidat à rien du tout. Le mouvement de Montana, c'est facilité. Essentiellement la reconstruction du pouvoir politique en Haïti. Que nous n'avons pas traditionnel, que Blanc a nommé Mounivléa. C'est construire les forces sociales pour prendre l'avenir en main. C'est permettre que chaque secteur qui dit qu'il est important dans le pays vienne défendre l'intérêt que nous avons, mais son base commune qui est l'intérêt national. C'est ça, démarche. Je ne suis pas candidat. Moun qui a parlé devant ou là, qui a parlé là, il n'y a pas candidat à rien. Et c'est ça qui mettait en face en réalité. Tout le monde qui a parlé en face là, tout candidat là. D'ailleurs, même dit ça même. Il y a un qui dit que l'élection n'a pas parlé, qui n'a pas fait Jean-Lia dans le pays, là, mais elle l'a payé au Mexique. Et puis, quand il fait campagne sur WhatsApp. C'est ça? Sur WhatsApp, il fait campagne. Ah bon? Tellement qu'il y a une sécurité, il n'y a pas vivre, il fait campagne sur WhatsApp. Quand il dit ça? Et on connaît le Campeche, on connaît au Mexique. Non, côté parole, ça dépend. Il n'a pas parlé sur table, là, et vendredi. Mais c'est ça, il a sorti, il a expliqué que quand il a fait l'élection, il n'a pas parlé, là, qui problème qu'il y a, mais ça, il a fait au Mexique. Et puis, l'élection passe douce. Parce que ils ont refusé d'accepter le principe qu'en Haïti, c'est seul droit qui est plus facile comme on a acquis un droit d'égalité. C'est vote là, oui. On vote, un garçon, une femme voter égal, ils ont même voix, ils comptent aux mêmes gens. Donc, sans parler de la participation populaire, l'électorat pas libéré dans le pays pour l'exprimer, pour le choisir un dirigeant, après contestation, immédiatement après, ce que nous sommes passés pendant ces 5 dernières années. Là. Parce que la mouillon même, ça a souhaité, c'est pour que, comme si vous avez aimé la négociation qu'a fait, tu réalité pas,
nous pas négliger. La réalité par mon Dieu, c'est moi qui pas pour manger parce que plus que 4 millions de monde dans situation de sécurité alimentaire. Mm-hmm. Et ça mais je pas quand même augmenter dernier jour ça yo. C'est circulation pas facile je dis route sud là où on est le mieux passé. Mon dans zone quoi des bouquets c'est tête chargée. C'est ça la réalité mon yo, c'est quotidien haïtien. Oui. C'est ça tu as remé sous table là. Oui. Mais c'est que... ça sous table là. Mais c'est ça sous table là oui. OK. Ça sous table là. Mais mon en fashion mon yo là, yo bloqué ça. Parce que autrement il t'a fait mais yo là. Pas comprendre non, c'est que yo là, yo gen pouvoir, yo gen tout pouvoir en main yo. Yo dépasser l'argent l'état, j'en voulé. Yo ka tout pour danser. Yo prend la police, yo fait ça yo plutôt avec. Yo gen tout pouvoir en main pour ça pas faire. Nous même en train de dire parce qu'on est incapable. Nous pas dit nous même pourquoi nous incapable donc. Nous dit gon collectif en pays qui a construit qui ca répondre à question ça. Et c'est ça le monde on fait ensemble. Mm-hmm. Et sa question yo. Mais yo ka dit tout pour danser tango faut nous deux. Eh ben deux al plus que deux oui. Nous prévoir qu'un collectif présidentiel a bien 5 moun la donne. On pas qui danse la pied. Il plus que deux. Il n'y a pas de négociation. Non, c'est tout. Mais justement, ce que nous la proposer nous représenter là, c'est pas un individu nous-mêmes non lié. Malgré nous gain monsieur Fritz Jean qui est le second degré pour l'occuper poste en dedans présidence collectif là. Nous pas dit pour nous les gain puis nous déraper non. Nous dit malgré tout, processus a passé transparent, tout monde voit qui en fait, discussion, négociation, tout bagaille fait, réglé, élection fait propre. Malgré ça, oui. Nous disons non, ce n'est pas suffisant. Parce que nous disons face à la difficulté qu'il y a dans le pays, au problème qu'il y a dans le pays, il faut tout le monde se mettre ensemble. Parce que je dis là, parce que tout secteur dépend de discussions politiques. Et dans le monde international, là, et l'autre monde a visé dans la société à quoi que si politique n'a pas gagné fait, pita capitrice. Oui. Bagala ka pi grave et n'a pas demandé est-ce qu'on cale pi loin que côté de tomber là jodi a. Très bien. Si vous êtes ça, vous cap suivre quoi que nous autres nous fait acteur politique, nous dans société civile cap négocier, ta doué al pi vite et ta doué faire plus dépassement pour nous sortir dans sa guerre. Lance ça nous t'est préparé pour nous discuter et lundi hein, agenda pa nous préparé pour nous conforter agenda pa yo. Nous dit que c'est 8 jours ça te prend, une semaine maximum pour négociation de faire pour résoudre problème là. Là, et blanc qui a dit, ou bien international qui a dit, ou il pas qu'à comprendre, il ne sait pas comment entendre. Mon seul bail nous dit. Vous avez raison? Non, vous pouvez nous dire, c'est où maintenant là? À 70% de le pays là. L'argent, le rapport, il y a un mode dirigeant dans le pays là, l'argent choisi dirigeant dans le pays là, l'argent imposé dirigeant, une série de règles qui ne parcourent pas dans le pays là. Premier bail. Deuxième bail, c'est où il y a entretenu ça jusqu'à présent là. Il n'y a pas suspendre, supporter M. Ariel Henry dans sa affaire. L'un des autres où il y a là, il y a là, oui. Il n'y a pas loin, non? Il y a toujours là. Chaque matin, je suis que à premier monde, M. Ariel parle. C'est sûr, certainement, une ambassade américaine dans le palais. C'est bon, bah, comme si l'on tête pas la fin, là. C'est une application des ordres que l'on recevoir. À quelle fin? Même pour permettre que toujours un pays à se contrôler. Mm-hmm. Et que le même monde qui l'a toujours joué un moyen pour vivre. Mm-hmm. C'est de ça qu'on vit. Non, vous ne comprenez pas. Un pays sous contrôle, un pays qui ne peut pas marcher. Un pays qui fait une pauvre là-dedans. Un pays économique sous la gaba. Au pays. Mm-hmm. Bah, connaît, de qui ça n'a pas parlé, de qui pays n'a pas parlé. Comment de qui pays? Mais nous avons un pays extraordinaire, pays d'Haïti. Un pays extraordinaire. Mais ça, comme si moi-même ou même, nous pas extraordinaire dans le pays, nous. Nous pas les valeurs, nous pas les richesses. Nous pas qu'à faire comme ça. Nous pas qu'à dire des paroles comme ça. En bas, sur le pays, ça gagne. Mais tout cas, pas fait bon pour vivre. Non. Mais ça n'a pas parlé. Non. Mais 12 millions de monde, pourquoi ça n'a pas tout et tout? Si c'est un état, ça y est. Comment t'as fait pas gagner à régler sur la terre? Même on y a construit vie chaque jour, qu'on dynamique a produit. Avec un peu de difficulté. Oui, mais difficulté. Mais quand on prend difficulté, c'est l'État qui a eu difficulté. C'est pas Yono qui a eu difficulté. C'est moi le gouvernement qui a eu difficulté. Sans face ça, il y a boumé. Mais c'est qu'on a ce job élite. On a fait, on a dirigé. Oui, mais on va parler de élite. Mais justement, son problème, c'est qu'on a nous, on crise dans l'élite. Mais nous ne pouvons pas voir ça, non? Nous ne pouvons pas comme si nous prenons, comme si nous comme si bon monde, et puis l'élite arrête. Non. Ils mettent dans une situation, même là, à l'étude, à l'étranger, tourner. Ou vient à qu'on savoir que pas quelqu'un rapport à Haïti, ou vient après 6 ans dans le pays. Puis, grosse chance que quelqu'un travaille pour l'international, là, ou vient à nous. C'est non, ça a conduit, ou conditionné, ou dans ça. Mais nous pas qu'à dire que le pays a pas gagné. Sauf que vous n'avez pas fait sans nous. Si vous faites, vous n'avez pas fait sans nous. Oui, non, vous faites là, vous pouvez faire là. Et ça va me dire, d'accord, il n'y a pas de problème. D'accord. Mais c'est ça, il faut nous casser. Il faut nous casser ça. Parce que bon monde dans le pays pas d'accord pour ça continuer. Côté où? Mon cher, on demande à charger. On demande à la charge. Et on demande pays à charge. On demande à pays à charge à mon. Non, parce que faut pas comprendre. C'est deux siècles que nous avons construit ça. C'est deux siècles de dépendance. Là. Et deux siècles de soumission. Là. Même quand on a dit dans la tête mon, même lorsque Blanc va bailler un l'ordre, il rêvait sa Blanc à remettre.
et on commence à appliquer en attendant que blanc confirme tellement au niveau de soumission et ces chaînes ça pour nous casser oui Serge Junior si nous pas casser nous pas gagner un progrès qu'a fait télévision nationale Jean Elie là jodi alors pensez c'est comme ça t'a doyer les me garder mais nous comme si physiquement nous n'y a pas intéressé à ça la production culturelle intellectuelle que télévision qu'a fait n'est pas intéressé à lui-même. Il a quitté physiquement, il a crasé. Il n'y a pas de problème, il n'est pas occupé par ça. Il est préoccupé par comment il a pris un riche tête. Mais en termes de pays, il y a de ressources. Même à changer volume, il y a des télévisions qu'on fait. Fêtes, spectacles, organisations, une bonne bagaille. Mais il n'y a pas de moyens pour le faire, certainement, je dis. Le peu de moyens, il y a souvent juste pour le survivre. Mais c'est pas un bagaille comme si il fait et comme si par hasard, comme ça, non. C'est une construction. Alors, quoi, un projet de ça, la vie là? Mais certainement, c'est de faire peuple à pas rien. Faire assumer qu'on ne pas rien. Une seule source, une seule chance, c'est quitter le pays. Et même là, on veut ça. À quelle fin? Ah ben, on m'explique. Le pays se meurt. Le pays a... Est-ce que nous avons fait inventer richesse pays? Nous connaissons richesse pays. Mais il y a des gens qui connaissent, non? Nous ne pas richesse pays, non? Nous ne pas ça en bas sur le pays. Nous ne pas ça, non? Personne ne pas connaît. Nous avons une bonne parole. Tu es comme monsieur que les maturins qui ont parlé de bonnes bagailles. Mais tout le monde est là, nous ne connaissons pas. Donc, même les gens qui ont pété dans la situation, qui ont utilisé mes propres dirigeants pour être confortables par rapport à ça, nous ne connaissons pas le projet par rapport à ça. Deuxième bagaille, pas un peuple pauvre. Ça n'a pas existé. C'est une construction liée. Parce que volume, un paysan qui a 2000 carottes, un cacaoté, comment on fait pour être manger? C'est l'assistance d'État. Pendant l'étape tout pisil, pendant l'étape essayer de prendre toute taxe sociale pour Dieu. Comment le fait? Création de richesse, ça le fait. Ce n'est pas de la richesse que l'on a. Son travail n'est pas traduit dans une production nouvelle de autre chose pour le grandir, pour l'occuper petit lit. Alors, en réalité, ça a existé comme s'il n'y a pas rien. Non. C'est ça lié, oui. Et l'homme, on y a fait lui-même, il a développé la capacité, l'État associé à qui il doit parler, dit ça à faire informel. Il est de second degré. Il n'a aucune importance. Maintenant, alors que c'est de ça, ils vivent eux-mêmes. Mm-hmm. Ils vivent de travail, mais ils ne disent pas qu'il y valeur. Parfait. Maintenant, la côte n'a pas fait. C'est un fait. La côte n'a pas fait. Et Montana n'a pas créé, parité. À cause de cette diversité là, tu as pris une conférence. Une conférence de presse qui baille. Côté des signataires, à cause de ce que tu as pris de nous. Vous êtes retourné. Vous êtes relé, non? Non. Non. Nous, c'est nous qui écrivons le lendemain, nous avons l'aide formelle. Parfait. Pour nous dire, mais qui s'est passé? Parce que nous parlons parole en pile, nous parlons pas parlé, nous ne dit, mais nous-mêmes nous dit, mais qui s'est passé? J'aime ça t'expliquer au lien là. Exactement. Et à partir de ce moment, nous sommes conscients que bah, ça va être intolérable, nous ne pas accepter. Maintenant, Kounia, et pour nous reprendre, voici les conditions. Moi, nous poser conditions, Kounia. Mm-hmm. Pourquoi ça ne pas poser conditions ça depuis avant la première rencontre là? Non, c'est rappel que oui, nous t'es posé une sorte de note publique avant la rencontre vendredi, hein, côté nous préciser exactement ce avec la lettre là. C'est un rappel que lié. Tout est dit. Nous t'ai dit, il faut que M. Ariel Henry mette en situation que si la justice est invitée pour l'aller, et qu'il n'est pas en situation pour l'évoquer comme ministre gouvernement, il n'est pas en situation pour l'évoquer juge, là, il n'est pas en situation pour l'évoquer ministre de la justice, là, si on invite l'IA pour l'aller. Premier élément. Et c'est pas clair. Par contre, il y en a ça. Ou qu'on est qu'on. Deuxième barrière, après la conversation, nous avons fait le vendredi. Il m'a demandé, nous, oui, ça pour le fait. Je me dis, mais pourquoi il m'a fait moi-même en tant que citoyen haïtien? Si on va avec le CNN, on va écrire les New York Times qui sorti un bagage qui mensonge sur moi. C'est menti la baille sur moi. Pour bah, m'ta pas attaquer l'injustice. M'ta pas faire autrement qu'attaquer l'injustice. Donc si m'ta pas attaquer l'injustice, m'ai un problème. Donc il faut redonner la dignité au peuple haïtien en attaquant ses organes de presse en justice pour diffamation. Et me dit sous table ça, joue ça, m'ta premier monde qui t'a appuyé monsieur Ariel Henry, l'on démarche comme ça, que l'attaquer l'institution ça en justice. Quand pile l'argent, hein, pour ta fête là, quand tu arrives et découvrir, mon ne s'est menti à bail. Allons vers cette route là. Et il dit, lui, depuis l'envoi de dit ça. Il dit ça dans la rencontre là. Absolument, depuis l'envoi de dire. Et reste bail, yo, c'est même bagarre. Nous pensons que puisque yo a fait, et m'a dit, bac de respect ça par rapport à nous-mêmes, nous pas chita en côté que c'est la caillou, parce que yo considère comme la caillou, ou kawe qui en bas la fête. Nous avons dit qu'on annoncé un pain café, donc c'est la caillou lié. Et puis tu as ces peines. La Kylie, il a Kylie, comment? Seul bal dit qu'il a un pyjama. Par contre, c'est pas de grand non, pyjama, robe de chambre, il dort bien. Fais ça plutôt, c'est la Kylie. Institution l'État, transformer en sorte de, moi me dire pas correct, plutôt me dire, mais en sorte de plaisanterie, disons ça comme ça. Oui. Mais sinon, ça tombe. Mais qu'on y a là, nous-mêmes nous dit non. Mais il se passe que nous réservons, il se passe côté nous prenons chita.
Qu'est-ce qu'on choisit que... Non, on a choisi en commun, un hôtel, une salle de conférence, et qu'on a payé moitié-moitié. Il y a même payé une partie, on a payé l'autre partie, on n'a pas égal, pour nous même pied d'égalité. L'horizontalité de la conversation, il faut l'établir. Mm-hmm. Pas quand il y a un chef qui va le chuter là, sur quoi que ce soit, sur le président du sort gagné, et pour moi, on a agi, c'est pour décider. Non, nous, deuxième bagage, c'est le débat comme ça que nous clairement défini pour avancer. Alors, au cas où, condition ça, on va parler de questions que vous pouvez mettre à disposition de la justice, même si je veux dire, il y a un jugement sur le dossier et assassinat président Jovenel Moïse. Nous ne pas dire mettre à disposition pour répondre à toute invitation de la justice. Ah, vous voulez, ok, parfait. Deuxième condition, il faut que son espace neutre nous dit pour choisir. Et nous, dans le temps, nous parler de Folta Capé sur la question de conseil électoral. Oui, absolument, absolument. Et il y a des autres qui ont fait là, depuis hier. Il y a des autres qui prennent la rue et nous féliciter mon CSPJ qui a résisté par rapport à ça. C'est important. Comment on a décidé aujourd'hui à la Corp engage avec les coups de cassation sur les 10 prochaines années? Pendant qu'on va dans ces élections, par le gouvernement définitif après, et bien qu'on va pas nommer juge. Non, nous sommes capables. Si on a un consensus politique qui joint un pays, nous traiter la question ça pour la période de la transition. Ou quand on coup de cassation transitionnel, avant une composition transitionnelle, sur les 2 ans qu'on définit, et bien ensuite, le gouvernement qui vient après avec définitif, là, a installé ça, pour l'installer selon les règles, selon les constitutions définies. Mais qu'on n'y a pas capable d'hypothéquer ça. Et nous, c'est un bras de fer. Il semble qu'il y a une menace qui a fait sous yo, il y a pression, il y a des sangles à l'installer, il y a dit pas qu'à l'installer. Écoute, ce désordre à la tête de l'État, il faut que suspende. Et c'est ça, il faut le suspendre. Maintenant, au cas où condition ça n'est pas réuni, pas satisfait, Montana, pas retourner sur ta discussion. Et pas gagné là, pas satisfait. Pas gagné, pas satisfait. Mais si vous n'êtes pas satisfait. Il y a continué à faire ça, faire si vous voulez. A dit, nous ne pas retourner sur ta discussion. Et comme si, je ne pas arrêter, je dis, nous ne pas retourner. Parce que je suis conscient de un bagaille. Ce que je dis là. Si vous continuez à faire ça, faire là, le pays n'a pas fallu plus. Donc, nous avons évalué exactement ça gagne. Hein, pour comment, quoi qu'il a positionné nous par rapport à ça. Mais cependant, le bagaille, ça a défini, je dis, pour nous, incontournable. 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 C'est-à-dire, nous mettons en béton. Oui, non. C'est tout bi, on c'est, a tout bi. C'est une bagaille que même groupe qu'avec M. Ariel, ils sont sensibles à ce que M. Ariel est disponible à toute invitation de la justice. Mesdames et messieurs, nous t'attendons, tel syndic qui t'a parlé, c'est un responsable à Comontana, l'a parlé dans le non-peuple. L'a dit qu'est-ce qui baille l'autre autorité, mais qu'est-ce qui baille l'autorité au même tout pour faire l'obéi que vous faites dernièrement pour choisir président, pour choisir premier ministre. Qui est-ce? Hein? Qui est-ce? Ce sont ou honte, oui. Dans le pays de la France, dans le moment où on a parlé là, il a parlé de élection. Est-ce que nous connaissons Jovenel Moïse t'es prêté ses mains? Envoie Emmanuel Macron. Il était prêté serment le 7 février 2017. Macron était prêté serment en mai 2017. Madame ou même n'a pas radoté la France et question élection, il a parlé, il a préparé l'élection. Il prend le fait là, dans le jour où il vient là. Il n'est pas étonnant si l'élection fin faite, il y a l'autre président qui est élu là dans le pays. Et puis pour la France qui t'en refait l'élection, et puis nous même nous just dans la dot, y'en a fait, non? Et puis n'a parlé de développement, et qu'on s'en arrive en fait. Bref. La petite dossier ça, nous prenons parler de la Russie. Bon, vidéo a tellement guitan long, comme t'es annoncé nous que t'as parlé de la Russie, m'a parlé de la Russie quand même. Non, on a parlé là, y'a une grosse tension entre la Russie et les puissances occidentales, notamment les États-Unis. La France, le Royaume-Uni, pour me citer ça seulement. Qui est à la base de toute tension ça? Depuis quelque temps, les États-Unis d'Amérique étaient très à la mise. Le service secret américain a annoncé que la Russie t'apprend à envahir pays l'Ukraine. Pays Ukraine, excusez. En plus, le monde n'a pas de croix dans ça, États-Unis t'a dit. En plus, une aigle, tabzou, États-Unis, a fait pâle, c'est menti, etc. Mais, mesdames et messieurs, les États-Unis ont raison. Service secret américain ont raison. Parce que la Russie fait exactement ça
Joe Biden t'a dit, même s'il fait de manière différente, Vladimir Poutine intelligent, il fait de manière très subtile. Et m'bral expliquez-nous ça. M'bral expliquez-nous ça. Jodia, non, un gros bout de temps de conférence que le débat. Environ une heure de temps. En direct, Vladimir Poutine annonçait que le bral reconnaît indépendance yon série de parties dans le territoire ukrainien qui pro-russe et immédiatement le fin reconnaître l'indépendance ça, lui demander pour l'armée russe là prendre responsabilité pour que li capable protéger le territoire ça. Parce que entendez. Ça veut dire les États-Unis d'Amérique t'es parlé de envahissement de l'Ukraine, mais ils li pas envahi Ukraine gens qui ont été espérés là justement. Là nous sur route bon pour moi son annexion qui pas dit non pour nous bien comprendre. C'est comme si République dominicaine a un gros problème avec Haïti. Et puis Moun Wanamet qui dans frontière dit comme ça, bon, nous-mêmes nous c'est pro, nous-mêmes nous préférer République dominicaine que Haïti. Mais tout le monde connaît Wanamet, il fait partie intégrante du territoire haïtien, de la République d'Haïti. Mais puisque République dominicaine besoin Wanamet, faut le passer par Wanamet pour arriver dans Port-au-Prince, pour arriver prendre contrôle pays là. Eh bien, elle dit, il cherchait ouais avec deux, trois moun qui habitent dans Wanamet, etc., qui parlaient ouais l'État haïtien, qui préféraient plutôt ouais que, comme si c'est Dominique Cap gouverné. Et puis, République Dominicaine dit, nous reconnaître que Wanamet est indépendant. Mais pendant qu'elle dit que, lui reconnaître que Wanamet est indépendant, lui tout prend au moun. Lui met dans la tête Wanamet, lui dit, bon, moun za, c'est le président Wanamet. Parce que nous bien comprenons. Et puis, dans le même moment, les signes ont décret pour le dire. Puisque Wanamet est indépendant, nous reconnaissons comme tel, nous reconnaissons comme une nouvelle république, nous prêts pour nous voir l'armée nous, dans le pays ça, dans le pays Wanamet, pour le capable de protéger la population contre des actes de représailles que Port-au-Prince est capable de faire sur Wanamet. Alors, c'est juste. Il y a un exemple que je prends pour me capable bien expliquer nous ce qui a passé là entre la Russie, les États-Unis, l'Ukraine et on serait de l'autre pays. Puis le monde a posé cette question. Est-ce que dans le moment où on a parlé là, on a vécu une nouvelle guerre froide? Je pense que c'est une série d'émissions que je vais faire sur la question. Ça. Donc, mesdames et messieurs, en gros, je dis à une grosse tension qui est dans le monde là. Vladimir Poutine a annoncé, nous allocution télévisée jodia que le reconnaître indépendance de on sait le territoire séparatiste pro-russe qui trouvait dans SP Ukraine. Immédiatement après, président russe Vladimir Poutine lui ordonné de passer l'armée pays la l'autre pour maintenir la paix dans territoire ça que le fait créer avec un simple décret, de manière unilatérale, pendant le violer tout accord qui existait, justement, tout accord que la Russie était signé avec l'Ukraine. Et là, par décision ça que la Russie prend, Lévin, en tout cas, prouvait que Américains ont été raison depuis quelque temps, que tu as annoncé que, selon information que vous avez, selon des images satellites qui à disposition, etc., la Russie a préparé le boule envahir le pays l'Ukraine. Mesdames et messieurs, immédiatement après, l'Union européenne, l'ensemble des puissances occidentales, États-Unis en tête, ils ont parlé, ils ont annoncé au préalable une grosse sanction contre la Russie, mesdames et messieurs. Et première sanction qui t'a pral tombé, c'est Joe Biden qui décidait, il dit le pral frapper, soi-disant République Sao, mesdames et messieurs, que la Russie, ou bien Vladimir Poutine, fait créer.
Mesdames et messieurs, il y a une bagaille que Poutine fait qui est très monsieur, montrez que l'intelligent. Depuis quelques jours, c'est une grosse bataille qui a fait entre pro-Russie dans la région ça que Vladimir Poutine reconnaît comme pays jodia avec autorité dans le pays de l'Ukraine. Bon, elle me dit autorité, c'est pas parce que zone ça n'a pas fait partie. Zone ça fait partie de l'Ukraine. Mais c'est comme si on groupe civil qui levé contre l'État. C'est comme si Mnadou, Mounouadame dit nous sommes indépendants, nous voulons la République. Et puis, yo prend les armes, yo dit la police nationale d'Haïti pas qu'à passer et Wanamed, autorité Haïti pas qu'à passer Wanamed parce que nous parler, nous parlons rien avec Haïti, etc. Et le ça a fait en pile pays dans monde occidental là, ouais ça comme une sorte de agression. Et yo estimé que tout ça qu'a fait yo, c'est là aussi que tu dis puisque la Russie te guettant massé dans ça plus de 150 000 soldats. Mesdames et messieurs, est-ce que vous bien entendez? Et façon que la Russie, par contre, que Vladimir Poutine a fait là, de l'est à l'ouest, il mettait des bases, il mettait des militaires. C'est comme si Mdadou, tout environnement pays ukrainien, c'est des bases militaires russes. Il y a des gens qui remettent Vladimir Poutine qui sont capables de dire, ben, à un moment donné, il faut que les États-Unis arrêtent. Il faut que les États-Unis suspendent. Il y a des gens qui sont capables de dire ça parce que Vladimir Poutine dit comme ça. C'est inadmissible pour que l'Ukraine, entre dans l'OTAN. Parce que depuis dit l'OTAN, où est les États-Unis, où est la France, où est le Royaume-Uni, etc. Y a plus le monde qui est capable de dire Vladimir Poutine pas voulu pour Ukraine entrer dans l'OTAN parce que qui dit Ukraine entrer dans l'OTAN dit que justement pour aller jeune des bases militaires américaines dans bab la Russie là ce que Vladimir Poutine envoie comme une sorte d'agression lui-même tout en retour. Mais qui s'est passé dans le moment quand on a parlé là? Mesdames et messieurs, l'autre problème qui gagne c'est que Vladimir Poutine, dans la conférence de presse Liban, jeudi, a dit, lui-même dit prêt. Li prêt, pays là, son puissance que lié, a fait des sanctions économiques, négaba, etc. Les États, li prêt. Le pays là, capable d'absorber tout ça qu'a venu. Pas oublier, la Russie, son puissance en matière de, d'approvisionnement de gaz, par exemple. Parce que grand pays européen, qui dépendent directement de la Russie. Par exemple, l'Allemagne. Gon gazoduc là qui sorti dans pays Russie qui rivé en Allemagne. Passé en ballon mais là qui sorti dans pays la Russie pour arriver dans l'Allemagne, dans pays l'Allemagne. Ça veut dire c'est la Russie qui a fourni pays à gaz. Depuis la Russie ferme robinet, ben problème gaz. Mais malgré tout, malgré ça, l'Union européenne dit lui-même, lui campé dandy, il pas quitter la Russie fait ça que le a. Encore une fois, on a rappelé très récemment la Russie annexé une région qui était pour pays Ukraine qui est le Crimée. Puis le monde ouais, démarche Vladimir Poutine, non, ils ont volonté pour que lui fait disparaître pays ça que l'Ukraine non sous quatre là quoi. En tout cas, les États-Unis dit que sanctions yo y a énorme. Y a pral isolé la Russie dans le système financier mondial là. La Russie pral yon état paria, c'est ça les États-Unis d'Amérique dit. Est-ce que vous entendez? C'est ça les États-Unis dit, mesdames et messieurs. Bagala est extrêmement compliqué. Entre temps, faut que nous disons, Ashroya même, il y a une grosse réunion qui est supposée faite dans le Conseil de sécurité des Nations Unies, puisque Ukraine mandé ça. Les États-Unis, la France, le Royaume-Uni ont convoqué une réunion au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU en urgence
Mais le problème, c'est que je dis à là, c'est la Russie qui a présidé le conseil-là. Et donc, c'est la Russie qui t'a supposé programmer formellement réunion ça. Donc, est-ce que réunion a fait quand même? Nous, pas qu'on est. Mais situation le complique. Du côté de la France, ils ont dénoncé une dérive idéologique et un discours paranoïaque de Vladimir Poutine. Tension, hein, lit vraiment, vraiment, vraiment haut dans le moment où on a parlé là. Qui ça va le passer dans les jours à venir? Nous, pas qu'on est, mais définitivement, son dossier, nous allons le suivre pour. Si vous trouvez l'intéressant, wap, dis-nous ça. Et puis, nous allons continuer à suivre, nous allons continuer à porter bon gens. Information pour vous. Je vous aime. À bientôt.